Alors, euh, c'est une sorte de BD. Alors, moi, ça, ouais. c'est une euh, révélation. C'est l'histoire de. Alors, est-ce que vous connaissiez, vous, Angélique de Coudray Pas du tout. Eh bien, vous avez des petits-enfants, vous avez une oui, fille. Et oui. quand, quand vous avez accouché, ou quand oui. vous avez été voir votre gynéco, eh bien, votre gynéco, elle doit tout à à cette la, la femme. femme. Voilà. Alors, on est au XVIIIe siècle, hein, et c'est l'histoire. Là, on vous le mettra sur le podcast, hein, mais les illustrations sont très, 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 beau, très joliment, très jolie couleur, Très, très hein. jolie. En fait, c'est l'histoire de cette femme au XVIIIe siècle qui avait les les accoucheuses et les sages-femmes. Alors, les sages-femmes, elles avaient plutôt un côté euh, scientifique, hein, si tant est qu'on était scientifique au XVIIIe siècle. Et puis, il y avait les accoucheuses et les accou les, les, les gens du peuple ou les en, en majorité, bah, préféraient les accoucheuses parce que elles étaient plus proches d'elle, et les sages-femmes, ça leur faisait un peu peur et tout, puis les accoucheuses avaient des gris-gris, les machins et trucs, et elle, elle va changer, elle va inventer quelque chose qui va changer complètement euh, l'étude de la gynécologie. Ça se dit, la gynécologie, oui, 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 la gynécologie. Elle va accoucher, elle va... Euh, Inventé, vous savez, c'est cette sorte de statue ou d'une femme avec l'intérieur, il y a le bébé pour leur ouais. montrer comment est fait euh, une femme avec le bébé et comment on fait pour sortir, enfin pour aider à l'accouchement. Et c'est toujours en vigueur, c'est-à-dire mm. amélioré, mais c'est toujours en vigueur actuellement dans toutes les écoles de d'infirmières, d'agénico, de, de, ouais. de sage femmes et tout. C'est vraiment la première grande sage-femme euh, bah, moderne. Hein. Et là, alors mm. on en parle très peu, mais en fait, elle a changé le destin complètement. Des, de, femmes, des et femmes et les hein. femmes ne connaissent pas du tout, alors qu'on connaît donc, les grands professeurs, les mandarins ouais. et tout ça. Et elle a changé complètement le destin des femmes. Elle leur a elle aura permis aussi qu'il y ait moins de pertes, enfin de, de, de mort. Oui, parce des, que des... c'était l'enjeu c'est l'enjeu de la BD. Je vois ah, 1, oui. au 18e siècle, il y a une mortalité infantile incroyable et maternelle oui. euh, qui décime les campagnes. Bah, et donc. Euh, il faut euh, dire que ouais. celles ouais. qui accouchaient, c'était carrément des guérisseuses. Hein. Il y avait ouais. très peu de sages-femmes. Puis une fois que c était le bébé. ouais le bébé, il était mort, on passait à un autre. Puis elles se cassait pas les pieds. Quand c'était mal parti, elles insistaient pas. C'est une très 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 euh, jolie ouais. bande dessinée. Alors, on, voilà. oui, un, on appelle ça un, ça, appelle ça un ouais. Adeline Lafitte et Hervé Dufaux pour les pour les illustrations et c'est très beau. Les dessins sont sont vraiment très 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 chouettes.